en première, je voulais être épouvantail. Je disais partout que je voulais être épouvantail. J'étais persuadé d'avoir un métier d'avenir. Là, je trouvais ça fou. Après, c'est vrai en plus. Je disais, ah, bon, il faudra que je trouve un système pour me dégourdir les bras. Mais sinon, j'étais vraiment sûr que c'était un métier. Après, j'ai voulu être documentaliste au CDI. Je trouvais que les CDI, c'était merveilleux. Bon, alors qu'en fait, tu passes ton temps à dire chute. Puis après, j'ai voulu être acteur, très vite. Enfin, humoriste d'abord, et puis après, acteur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma petite cousine. Elle a ses 5 ans. Je suis pas contente. Elle a ses 5 ans et puis elle s'appelle Rihanna. Mais sauf que sur le gâteau, il n'y a pas le R parce qu'elle l'a mangé, oui. Je vais venir torturer Emma et Fabien, le couple d'altermondialistes ruraux dans scène de ménage. En plein milieu de la nuit, pendant un grand orage, un éclair fait sauter les plombs de la maison et quelqu'un frappe à la porte. C'est Catherine, une sorte de Morticia Adams qui vit seule, sans mari, juste avec un majordome dans un manoir, depuis les années 80, seul, sans la télévision, sans la radio et sans Internet. Ready? Ready. Hi, okay. So, we just made lunch. Please, come. A frittata here with potatoes, onion, parmigiano and parsley. Some beautiful white asparagus that are left over from the other night. Tomato salad with arugula or rocket and cucumbers and lemon and oil, parmigiano, bread, smoked salmon. My parents are visiting. We're having lunch. My daughter's visiting. We're having lunch. Goodbye. Voilà, de toute façon, c'était pour moi, c'est une des meilleures attaques de tous les temps. Hein. Je pense qu'il faut ressortir à l'époque de Van Basten, tout ça, là, Van Basten, Gullit, Richgard. Ça, c'est un trio qui a envoyé, mais là, je pense que nous, on a fait fort. T'avais une fusée, Bale. T'avais le buteur, Cristiano. Et puis moi, j'étais un peu entre les deux. Ce qu'il faut toujours, la pièce qu'il faut entre les deux pour que tout marche, en fait. Avec ces deux joueurs-là, t'avais pas besoin de neuf, en fait.